Voilà, là nous allons parler de la feuille de la glycine. Alors la feuille de la glycine est une feuille composée, c'est-à-dire que c'est une feuille qui est constituée de folioles. Alors vous pouvez imaginer que cette feuille, ou celle-ci, voilà, chez une plante à feuille entière, en fait, aurait un limbe, c'est-à-dire une partie verte, qui serait grande comme ça. Hop, hop. Ici, c'est une plante à feuilles composées, donc le limbe est découpé, très fortement découpé, tellement découpé que la nervure centrale de la feuille, la nervure centrale de la feuille ici, est à nu. Voilà. Et le limbe est constitué en fait de plusieurs parties que l'on appelle des folioles. Voilà. Donc ces folioles sont ici au nombre de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, d'accord. Voilà, c'est un nombre impair. Alors, ces folioles sont disposées en fait comme les barbes d'une plume, c'est-à-dire de chaque côté du pétiole. Donc, on dit que la feuille est pennée, de penna, qui est la plume en latin, d'accord. Et vu que son nombre de folioles est impair, puisqu'il y en a un au bout, on dit que la feuille est imparipennée. Donc c'est une feuille composée imparipennée.